Je vous invite, frères et sœurs, à écouter la lecture de la Bible et trois textes dans la perspective d'un christianisme social. Tout d'abord, au livre du prophète Amos, au chapitre 5, les versets 21 à 24. Je déteste vos pèlerinages, je ne veux plus les voir, dit l'Éternel. Je ne peux plus sentir vos cérémonies religieuses, ni les sacrifices que vous venez me présenter. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de communion. Cessez de crier vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre le son de vos harpes. Laissez plutôt libre cours au droit, que la justice puisse couler comme un torrent intarissable. Puis dans l'évangile de Matthieu, un extrait de cette parabole du jugement dernier où le Seigneur, le roi, déclare, chapitre 25, versets 35 à 40 et 45. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Les justes lui répondront alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, avons-nous vu donner à manger ou assoiffé, et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous accueilli chez nous? Ou nu, et avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité, toutes les fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et un peu plus loin, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Puis dans la première épître de Jean, au chapitre 4, les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère qu'il voit. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Chers frères et sœurs, dans le cadre de trois prédications à thème, janvier, février et mars, portant sur le chrétien et la politique, la prédication de ce matin portera sur un christianisme social. Faut-il le rappeler d'emblée? Ce n'est pas parce qu'une prédication est une prédication à thème ou une sorte de prédication conférence qu'elle n'est pas fondée bibliquement. Ce genre de prédication a toujours été pratiqué dans l'histoire du christianisme et même par certains des réformateurs.
Je vous propose trois étapes, conclues chacune par un des textes bibliques entendus tout à l'heure. Ils vont donc orienter la réflexion de ce matin. Quand on parle de christianisme social dans le cadre du protestantisme, un nom doit être immédiatement cité, celui du pasteur Tommy Fallot, qui en 1878 prononce 11 prédications consacrées au Notre Père et qui apporte pour la première fois dans le protestantisme français un fondement à un christianisme social. On peut rappeler que le pasteur Marc Bögner a consacré sa thèse de doctorat en théologie à Tommy Fallot, sa vie, sa pensée et son œuvre. Le mouvement du christianisme social en tant que tel date de 1888 sous cette appellation, mais il existait déjà précédemment avec un autre intitulé. En 1896, le pasteur Tommy Fallot, pasteur donc de la paroisse de la Chapelle du Nord à Paris, écrit un livre au titre significatif, Une question, une réponse, qu'est-ce qu'une église, un chapitre de christianisme social. Tommy Fallot, un père fondateur. Et puis, deuxième génération, il faut là citer trois noms. D'abord Charles Gide, l'oncle d'André Gide, professeur d'économie politique au Collège de France, à l'origine du mouvement coopératif qui vivra surtout dans le sud de la France et qui milite avec des responsabilités diverses pendant 50 ans au mouvement du christianisme social. Puis deux noms de pasteurs, Élie Gounel et Wilfred Monod, tous deux issus du méthodisme, c'est-à-dire de cette mouvance du protestantisme, de cette église même, fondée par John Wesley au XVIIIe siècle, et qui demande que notre vie de prière soit structurée, construite, et non pas abandonnée aux désirs et aux oraisons libres. Wilfred Monod a été pasteur à l'oratoire, ici même, de 1907 à 1938, après avoir été pasteur à Condé-sur-Noireau, à Rouen, et quand je dis Condé-sur-Noireau, j'insiste, dans le Calvados, parce que c'est là, devant les ravages terribles de l'alcoolisme et les misères qu'il entraîne, que Wilfred Monod reçoit l'élan pour s'orienter vers un christianisme social. Il sera professeur de théologie pratique à la faculté de théologie protestante de Paris, dans ce poste que j'ai eu la joie d'occuper pendant 20 ans. Et je cite plus particulièrement l'oratoire qui a eu des liens privilégiés avec le christianisme social. Quand je suis arrivé dans cette paroisse de l'oratoire, comme pasteur à l'oratoire en 1963, c'était le pasteur Pierre Ducrot qui était président du conseil presbytéral et président du mouvement du christianisme social, comme le sera après lui, et on ne le sait pas toujours, le philosophe Paul Ricoeur. Que veut ce christianisme social dans l'horizon protestant ? Il veut la reconnaissance des implications de l'incarnation, à savoir la prédication d'un évangile intégral, tout à la fois spirituel et social. Il faut tenir
les deux bouts de la chaîne. Il n'y a pas de christianisme vrai qui ne soit en même temps spirituel et social. Et Wilfred Monod aimait à dire que l'expression de christianisme social est en fait un pléonasme. Parce que le christianisme social, c'est un christianisme spirituel, porté jusqu'au bout de lui-même et connaissant son incandescence. Christianisme tout court, disait Wilfred Monod. Deux entreprises, créées par Wilfred Monod, illustrent ces deux dimensions du christianisme, spirituel et social. D'abord, en 1901, la création d'un centre social au milieu du quartier des Halles, alors tout à fait déshérité, La Clairière, centre avec lequel nous avons toujours et encore aujourd'hui un rapport privilégié. En 1923, avec son fils Théodore, Wilfred Monod crée les Veilleurs. Cette communauté qui est toujours en augmentation et en progression aujourd'hui et qui représentait ce qu'il appelait un tiers-ordre protestant rassemblant des fidèles et des pasteurs sous l'égide d'une règle pour une vie spirituelle structurée. Il y avait là, comme disait Wilfred Monod, une confrérie. Et nous retrouvons les échos du méthodisme. Puis Wilfred Monod sera le pionnier de l'écuménisme. En 1925, il participe à la conférence internationale écuménique de Stockholm sous l'égide de l'évêque protestant Nathan Söderblom. Et puis en 1927, à celle de Lausanne. Mais il faut bien comprendre que pour Monod, christianisme social et écuménisme sont un seul et même combat. Parce qu'on estime que si les croyances, que si les doctrines, que si les dogmes divisent et séparent les églises, des actions concrètes, pratiques, sociales, peuvent rassembler tous les chrétiens, quelle que soit leur église, et même tous les hommes de bonne volonté. Et ce message-là est adossé à la grande prédication des prophètes, qui ont toujours affirmé, quelle que soit leur implantation, quel que soit le siècle où ils ont prophétisé, que la piété, que les cérémonies religieuses, que les cultes et les sacrifices ne sont rien s'ils ne sont pas accompagnés de l'amour du prochain dans sa dimension individuelle, collective, sociale. Et on trouve ce message aussi bien chez Ésaïe, le beau chapitre 58, que chez Osée, que chez Michée, Jérémie, Joël, Zacharie, et plus particulièrement au chapitre 5, Amos, où nous entendions tout à l'heure ces paroles de l'Éternel, « Je ne peux plus sentir vos cérémonies religieuses, mais que le droit coule comme l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. » Et puis, deuxième étape, quels peuvent être les fondements d'un christianisme toujours à la fois spirituel et social d'après ces témoins de la première heure? On peut en repérer 6 principaux. D'abord, il y a cette référence au sommaire de la loi, c'est-à-dire l'amour de Dieu inséparable de l'amour du prochain.
Dans le chapitre 12 de l'évangile de Marc, il y a ce passage très important où un homme de loi interroge Jésus et lui demande quel est le commandement le plus important, le plus grand. Et Jésus donne le sommaire de la loi. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et cet homme de la loi va reprendre ce sommaire en ajoutant ceci. C'est beaucoup mieux que de présenter à Dieu des animaux qu'on brûle sur l'autel et de lui offrir toutes sortes de sacrifices. Deuxième donnée, la divinité et l'humanité de Jésus. Il y a là comme deux pôles qui nous invitent à un service divin, le culte, et à un service humain, l'amour du prochain. Troisième point, le credo et le programme. Les témoins du christianisme social disaient « Les chrétiens, les croyants ont un credo, mais trop souvent, ils n'ont pas de programme. » Les hommes politiques ont un programme, mais ils n'ont pas de credo. Il faut réconcilier les deux. Parce que des croyances sont conséquences dans notre vie quotidienne, personnelle, familiale, sociale, ne sont pas une véritable foi. Croire, c'est agir. C'est se lancer sur les chemins de la sanctification dont aimait parler Calvin et la tradition réformée après lui, à savoir que portés par la grâce, nous devons produire des fruits de justice et des œuvres. Quatrièmement, et ce sera le sujet en mars de ma prochaine prédication, le Messie et le messianisme. On aimait à dire alors, les chrétiens ont un Messie, mais ils ont perdu le sens du messianisme. Les socialistes, les athées, les révolutionnaires ont un messianisme, mais ils n'ont plus de Messie. Il faut là encore réunir les deux. Cinquième point, peut-être le plus important, l'oraison dominicale, la prière que Jésus nous a transmise. Elle est construite selon un plan tout à fait traditionnel chez les Juifs, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Décalogue. Les premières requêtes concernent Dieu, notre Père, et les dernières requêtes concernent l'être humain. Et les premières requêtes qui concernent Dieu commencent par notre Père, et les premières requêtes qui concernent l'être humain commencent par notre pain. Ce qui fait que le véritable titre de cette prière n'est pas le Notre Père, qui est déjà presque une aliénation religieuse, uniquement un christianisme spirituel, mais le véritable titre devrait être le Notre Père, notre pain. Nous allons redire ensemble Notre Père, notre pain. Et les théologiens se jettent en général sur ce Notre Pain pour dire immédiatement « Oh, c'est le pain spirituel, celui de la parole de Dieu ». Non, il s'agit du pain quotidien, du pain matériel, dont il est question sans cesse dans les évangiles, et Wilfred Monod va accorder à la scène une place centrale, parce qu'il y voit précisément une double communion, communion verticale avec Dieu, communion horizontale avec les autres, où l'on nous demande de partager notre pain. Et il est assez étrange de voir que les récits de la multiplication des pains dans les évangiles et ceux de la scène sont structurés dans leur introduction exactement de la même manière. Donc il y a là un parallélisme, il y a là pour les auteurs des évangiles une symétrie dans les deux cas, pour la scène comme pour les multiplications des pains. On nous dit que Jésus rend grâce,
qu'il prend, qu'il rompt et qu'il distribue. Cela signifie que chaque scène doit être une multiplication des pains et que chaque multiplication des pains à sa manière est une scène au cœur du culte chrétien. Ce souci de l'autre est si profondément inscrit à travers la scène que le repas du Seigneur n'aurait plus aucun sens s'il n'était cautionné, au moins dans le cœur de quelques-uns, par un amour sans frontières qui exige que nous partagions notre pain et que nous réclamions des réformes sociales, économiques, culturelles, susceptibles de permettre une meilleure répartition de nos biens sur cette terre. C'est le pasteur Vasseau qui me signalait un jour une chose extrêmement intéressante, que chaque fois que l'on célébrait la communion, la scène, l'Eucharistie, comme on dit, dans ce temple de l'oratoire, Wilfred Monod faisait en même temps donner un repas aux pauvres du quartier des Halles. Et puis, dernier point, il y a le Père, notre Père. Mais cette paternité de Dieu pour nous entraîne à une solidarité, entraîne à une fraternité. S'il y a notre Père, c'est qu'il y a et qu'il doit y avoir des frères et des sœurs. Et là, je relis pour conclure cette deuxième étape, cette affirmation que nous entendions tout à l'heure, dans la première épître de Jean et au chapitre 4, « Voici donc le commandement que le Christ nous a donné, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » Où est le Christ? C'est une question que nous nous posons souvent. Où est le Christ aujourd'hui? Où le rencontrer? Comment le reconnaître? Rappelez-vous ce récit qui vient conclure quasiment l'évangile de Jean, l'histoire de Thomas qui doute et qui ne croit au Christ ressuscité qu'une fois qu'il a mis ses doigts dans les plaies du crucifié. C'est comme crucifié que le Christ ressuscite. Partout où il y a des croix, partout où il y a des victimes de la justice, le Christ est là qui nous appelle au secours. Sur le chemin de Damas, d'après les actes des apôtres, Paul, et c'est le récit de sa conversion, entend la voix de Jésus qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Or, il persécute des êtres humains, des hommes, des femmes, chrétiens, croyants, qu'il fait arrêter, jeter en prison et peut-être même condamner à mort. Et puis, il y a ce texte magnifique que nous relisions tout à l'heure, Matthieu 25, la parabole du jugement dernier. Chaque fois que vous avez fait ceci ou que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quelle actualité de cette page! Le directeur du CASP, Sylvain Cusin, Centre d'action sociale protestant, le CASP, aime à dire que cette page est fondatrice dans ces combats, qu'elle est emblématique pour les nôtres. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. 24 000 personnes meurent chaque jour de misère et de malnutrition dans le monde. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Le grand drame de l'eau, qui est un des drames futurs qui attend notre planète, et de l'eau potable. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Il faut se réjouir que la Fédération protestante de France ait récemment publié une déclaration insistant sur les mesures envisagées dans notre pays qui risquent de fragiliser encore
des milliers de familles déjà en difficulté. Et cette déclaration, signée par la Fédération protestante de France, est aussi signée par le CASP, le Centre d'action sociale protestant, par la CIMAD, par l'Armée du Salut, qui n'a rien de gauchiste, vous le savez bien, par la Mission populaire évangélique de France. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Plus d'un milliard de taudis sur la terre, 100 000 sans-abri, SDF comme on dit dans notre pays, dont 30% pourtant ont un emploi. J'étais malade, le grand problème des hôpitaux, des pandémies. J'étais en prison et vous m'avez visité. Notre pays est sans cesse dénoncé pour les conditions de ses prisons, dans des rapports français comme étrangers, conditions que l'on désigne comme inhumaines et dégradantes. Actualité de cette page, mais j'ai envie de dire actualité, hélas ! Ça fait 2000 ans que cela dure, et nous le savons bien, aujourd'hui, ces problèmes-là sont beaucoup plus complexes, démesurés. Le plus souvent, ils nous dépassent, et il serait trop facile, dans une prédication, de parler avec des gestes oratoires et de vous accabler. Je ne veux pas que vous sortiez de ce culte accablé, mais au contraire prêt pour des combats, même si souvent nous nous sentons complices et nous sommes un peu honteux. Voyez-vous, Jésus, le Jésus de la parabole du bon samaritain, nous pouvons le reconnaître dans le blessé du chemin, mais aussi dans le bon samaritain. C'est Jésus qui conclut cette parabole en disant « Va ! Et toi, fais de même. » Il nous rappelle sans cesse dans l'Évangile quelque chose d'encourageant, quelque chose qui nous transporte, notre vocation créatrice, notre vocation transfiguratrice du mal en bien. Le président de notre conseil presbytéral de l'oratoire, Philippe Gaudin, le jour de l'installation ici même du pasteur Marc Pernaud, citait en s'en étonnant cette parole de Jésus d'après l'évangile de Jean, sur laquelle j'ai d'ailleurs prêché une fois ici à l'oratoire, Jésus qui déclare « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Eh bien, voyez-vous, si cette parole n'était pas prononcée par Jésus d'après l'évangile de Jean, et que ce soit l'un d'entre nous qui dit cela, nous ferons des œuvres plus grandes que Jésus, on dirait qu'il blasphème et qu'il est hérétique. Alors, honneur et reconnaissance aux compagnons d'Emmaüs, et au fondateur, l'abbé Pierre. Honneur et reconnaissance à l'Armée du Salut et à son fondateur, William Booth, lui aussi méthodiste. Honneur et reconnaissance au Resto du Cœur et à leur fondateur, Coluche, associé alors, et on l'oublie, à l'abbé Pierre. Honneur et reconnaissance à tous les centres d'action sociale, à tous les diaconats, à tous les conseils d'entraide de France et de Navarre, de notre paroisse et des autres paroisses, parce que ils sont le cœur rayonnant et ardent de notre vie paroissiale, et sans ce cœur-là, notre prédication serait
lettre morte. Revenons à Matthieu 25, Wilfred Monod, consacré à cette parabole du jugement dernier, une prédication ici même dans cette chaire en 1911. Et il y écrivait ceci, qui sera la conclusion de notre prédication, « Aux yeux de l'Éternel, à l'heure décisive des comptes à rendre, mieux vaudrait avoir vécu sans religion que d'avoir vécu sans amour. Mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. » Amen.